Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde pour vos prévisions météo de ce 15 décembre. Direction le continent asiatique où depuis ce 11 décembre, c'est un beau manteau neigeux qui recouvre la ville de Pékin. On attend dans les prochaines 48 heures des températures exceptionnellement froides de moins 10 à moins 15 degrés d'ici la fin du week-end. On poursuit avec le continent européen. Nous avons un vaste anticyclone à l'ouest de l'Europe qui va protéger pas mal de pays européens de toute perturbation. Et ces précipitations, par contre, on va les retrouver près de la Méditerranée. Au niveau de la masse d'air, un air froid encore qui sera cantonné au nord de l'Europe. Sur les îles britanniques, plus en détail, eh bien, davantage de soleil que ces jours précédents. Nous avons 8 degrés pour Londres demain, 9 degrés pour la capitale et nous aurons des passages nuageux mais également de belles éclaircies qu'on va retrouver principalement au sud-est de l'Hexagone demain. Pas mal de nuages bas du côté de Paris ou encore près de Brest et puis après tout cela va se dissiper dans le courant de l'après-midi. Davantage de nuages bas en Allemagne et en Suisse et nous aurons des précipitations parfois soutenues en Norvège alors qu'en Suède, en Finlande, nous aurons un ciel couvert. Des nuages bas en matinée et pas de dégel. Moins 7 degrés pour Oulu, moins 6 à Saint-Pétersbourg et moins 6 degrés pour Moscou avec demain des chutes de neige assez importantes. On vous tiendra évidemment au courant dans les prochains bulletins sur TV5 Monde. Nous aurons 3 degrés ici à Sarajevo, le long de la mer Adriatique demain avec des précipitations soutenues. Et en fait, plus on va descendre vers les Balkans, plus les conditions seront agitées avec des précipitations, parfois à caractère orageux, des pluies du côté de Corfou avec 16 degrés. Ça sera pareil à l'ouest de la Turquie, une météo beaucoup plus calme sur le Proche-Orient comme sur toute la botte italienne. Demain, l'exception de Bari ou encore de Palerme avec toutefois un air doux de 14 degrés. Sur la péninsule ibérique, nous aurons là aussi un temps calme, 14 degrés. Regardez avec un plein soleil du côté de Madrid, 17 pour Lisbonne ou encore Porto. Nous aurons quelques pluies à Bilbao et nous retrouverons ces précipitations du côté de Tunis ou encore en Algérie. On poursuit, on termine ce bulletin pendant que vous découvrez quelques conditions un petit peu partout dans le monde. On va prendre la direction de Tokyo. On a un appel d'air doux demain. Résultat, on attend des températures exceptionnellement chaudes pour la saison. Près de 20 degrés demain pour Tokyo. Belle suite des programmes avec nous sur TV5 Monde. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.